Agora então, também aqui. Podes exemplificar. Podemos começar. Tenho aqui muitos livros. On peut commencer. J'ai apporté avec moi beaucoup de livres. Código da Vinci. Okay. Tenho aqui um dicionário, as páginas amarelas. Se quiserem. Si vous voulez, vous pouvez prendre un livre. Podemos começar. Et nous pouvons commencer ensemble. Par exemple, Georges, voici plusieurs livres, prenez-en un, n'importe lequel. C'est très simple, je vais faire passer les pages comme ceci. Quand vous le souhaitez, vous me dites stop. Stop ici. Mémorisez le premier mot de la page. Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous voulez changer? On peut changer le nombre de fois que vous souhaitez de mots. C'est très simple, pensez simplement à la première lettre et répétez cette lettre dans votre tête comme si j'arrivais à vous entendre dans votre tête. Est-ce que c'est un L? Oui. Pensez à la lettre suivante. Je dois penser. Ok. A. E. Pensez au mot entier. La test. La test. Não, não está escrito em lado nenhum. Só mesmo ali na página. Só se for na testa mesmo. Era mesmo. Est-ce que quelqu'un parle français ou lit un peu le français? Sonia, prenez ce livre, ouvrez le livre à n'importe quelle page, c'est vous qui décidez. Et vous pouvez changer de page autant de fois que vous souhaitez. Oui, oui, vous pouvez vraiment. Celle-ci? Non, vous pouvez changer. Hein. Celle-ci? Je vais vous demander de me donner un défi. Choisissez un mot assez long dans le livre, mais ne dites pas quel est ce mot. Il convient une que je perceive ce que quer dizer, non? Si, convient. Ça y est? Est-ce que vous voulez changer de mot ou est-ce que ça vous êtes satisfaite? Fermez le livre, Sonia. Vous n'avez pas besoin de mémoriser la page. Rappelez-vous simplement de votre mot. Vous seriez impressionné si je vous disais quel est le mot auquel vous êtes en train de penser. Je vous demandais de penser à la première lettre, d'accord? Répétez-la, dites-le à vos hôtes, quelle est la première lettre? L, donc je vais vous demander de répéter dans votre tête, L, faites-le. Ok, maintenant que je vois comment vous pensez, je vais vous demander d'essayer avec la deuxième lettre, dans votre tête à peine. Est-ce que c'est le U? Oui. Incrível. Pensez à la lettre suivante. Comment est-ce qu'il fait isto? Il y a des signaux inconscients. Est-ce que c'est le M ou le N? C'est le M, je vois. C'est le M, exact. C'est le M. Pensez au mot entier. Lumineux. Lumineuse. Lumineuse. Oui. C'est exact. Lumineuse. Eu troquei duas vezes de página. Sim. Vous auriez pu choisir n'importe quel mot. On a par exemple ici instituteur, joaillier, négociatrice. Incroyable. Maestro, vous voulez essayer également? Pour que ce soit le plus aléatoire possible. Votre livre est en portugais. Georges, dites-moi stop quand vous voulez. Stop ici, quelle est la page? 122. Maestro, pourriez-vous ouvrir la page 122? Et maintenant, dans 122, qu'est-ce que tu dois faire, maestro? Prenez le premier mot de la page de gauche, par exemple. Só pense, non dis. Pensez à la première lettre. Ou pensez à la signification du mot. Est-ce que vous êtes en train de penser à une personne? Oui. C'est une femme. Uma senhora. Com certos anos passam, não é? Pensez à ce nom. Maestro, quel est le nom auquel vous pensez? Sophie. Sophie. Está aqui. No livro do Dan Brown, Sophie não fazia a mínima ideia do que estaria ele a falar. E fala um tanto no Magalhães. Para quê? Para quê? Temos aqui o Frederico. Tens outra hipótese de nos surpreender? Sim, sim, claro. Um dernier? Mais um? Mais um, só mais um. Só mais um. Então. Mais um. Esquisito. Um dernier. Avec le dictionnaire, maestro, voici pour vous.
Et par exemple, et par exemple on peut faire avec ce livre, Pillage de la Terre. Georges, une fois de plus, ouvrez le livre à n'importe quelle page. C'est vous qui voyez. Hein. Choisissez une page, dites-la nous. 92. Très bien. Sonia, ouvrez le livre, page 92. Je n'ai pas la certitude de réussir ce que je vais tenter maintenant, mais vous allez me dire dans un instant quel est le premier mot de la page, par exemple, et je vais essayer d'écrire plus ou moins à quelle position dans le dictionnaire le mot se trouve que vous allez me dire. D'accord, en moins de 5 secondes. C'est important de dire que je n'ai pas d'oreillette. Dites-moi le mot. Dites-moi le mot et je vais essayer de savoir en quelle position elle se trouve dans le dictionnaire. Sentir. Sentir. Le verbe sentir. Sentir. Maestro, vous pouvez chercher le verbe sentir dans les dictionnaires. Sentir. Este não tem um novo acordo ortográfico, portanto estamos à vontade. Eu não achei. ST. Eu não vou para o acordo ortográfico. Ça y est. Já sabemos a página. É para dizer a página? Dites quelle est la page? 478, la colonne de droite ou de gauche? Droite. Quelle est la position du mot dans la page? En bas? Très en bas. Est-ce que c'est le dernier mot? Regardez ce que j'avais écrit, 478, colonne de droite, le dernier mot. Muito obrigado pela presença na Praça da Alegria. Podem trocar impressões para ver se ela adivinha notas. De 500 euros!